Salut la gazouille. Bienvenue dans cette vidéo, je suis content d'être là présent avec toi ce soir pour cette rediffusion d'investigation paranormale. Alors avant de commencer ce soir avec cette investigation paranormale, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Quoi? Tu connais pas ce jeu? Tu fais une grave erreur. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer ce que c'est comme jeu. Red Shadow Legend est un jeu RPG totalement gratuit, que ça soit sur Android, iOS ou sur PC. Ce jeu plaît à ses utilisateurs, il a été téléchargé sur Android plus de 10 millions de fois et a une note de 4,7 sur 5 sur iOS. Dans ce jeu, tu vas pouvoir collectionner et combattre dans un monde des plus obscurs. C'est pas un dessin animé, c'est vraiment un beau RPG dans un monde obscur. Il n'y a pas des paillettes. Alors dans ce jeu, tu vas pouvoir améliorer et faire combattre et sacrifier tes champions. Tu vas aussi pouvoir te battre avec tes amis contre un boss et un clan et gagner des prix incroyables. Tu peux aussi te battre contre d'autres joueurs. Tu vas pouvoir booster le XP de tes champions et profiter d'un sportline complètement doublé. Tu vas pouvoir aussi te battre contre 10 boss différents. Tu vas aussi relever des défis en participant dans un des tournois en cours, affronter la communauté de raid en vous battant contre l'araignée, le golem de glace, le chevalier de feu et le fameux dragon. Et tu vas recevoir des récompenses et des artefacts. Alors moi ce jeu je le trouve complètement époustouflant, il a des graphismes de fou, une maniabilité incroyable, franchement ce jeu te prend aux tripes. Voilà, maintenant moi dès que j'ai un moment, je me jette sur mon smartphone et je m'amuse à m'éclater avec ce jeu qui est complètement, mais complètement incroyable. Dès que t'as un moment, tu vas vouloir y jouer. Que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans ton jardin, dans ta salle de bain, dans le salon, dans ton garage, au boulot, dehors, sur un banc, et même dans tes cabinets, tu vas vouloir y jouer. N'hésite pas, télécharge-le maintenant dans le lien de la description pour obtenir 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit, le fameux T-Sortilège. Tout ça pour les nouveaux joueurs. Alors dépêchez-vous, car l'offre est vraiment valable que 30 jours. Raid Shadow Legends. Donc voilà, maintenant on va parler de cette investigation paranormale. Donc c'est une investigation paranormale que j'ai faite en 2016. Voilà, c'était en 2016. En fait, ce jour-là, j'ai été rejoindre mon ami Jean du SIB. D'ailleurs, grosse dédicace. Je te fais un gros bisou, mon poteau, tu me manques. J'ai hâte de revenir te voir pour refaire des investigations incroyables comme celle que tu m'as fait vivre ce jour-là. Je l'oublierai jamais, ça restera gravé en moi toute ma vie, Jean. Grâce à toi, tout ça, j'ai pu connaître tout ça, c'était merveilleux. Vous allez voir, cette investigation est totalement incroyable. Bien sûr, à l'époque, j'avais pas le matériel que j'ai aujourd'hui. J'avais pas non plus les caméras. Mais les résultats étaient bel et bien présents. Vous allez voir, à un moment, j'étais pas tranquille. Il y a un pote qui va se déclencher à ma demande à chaque fois. La guitare qui va jouer toute seule. Vous allez me voir courir comme si j'avais le diable à mon cul. Et croyez-moi, j'étais pas vraiment fier du tout ce soir-là. C'est un endroit qui est incroyable. Je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, vous vous en rappelez sûrement. En tout cas, j'ai hâte de la revivre ce soir avec vous. Bon ben, mon gazier, c'est parti. Un retour dans le passé. 4 ans en arrière. 2016. La crypte. Le cimetière. La tombe du soldat. La maison du massacre. Le bois des 300 pendus. Nous revoilà. Thank you.
Bon ben voilà, je suis en compagnie Salut. De notre ami Jean, le patron du SIB. Bienvenue à Liège, mes amis. Voilà. Et ici on est, alors tu peux nous expliquer un peu cet endroit? Ah ben donc ici on est à l'endroit où le pilote, le fameux pilote Peter Jomex s'est tué. Ouais. Et voici son monument, ils ont érigé à l'endroit même où on l'a retrouvé, pendu de ses arbres aussi. C'était lequel, tu sais exactement ou... Non, c'est à ces deux arbres aussi parce que les le deux monument, petite... à mon avis ce serait plus celui-là parce que c'est de là qu'on a vu venir cette fameuse brume. Ouais, ouais. Donc, oui, ça se pourrait que ça soit là. Par contre, son avion, lui, il est tombé ici à 10-15 mètres. Ils ont laissé quelque chose ou ils ont tout récupéré? Ils ont tout récupéré. Ah, ouais. Tout récupéré. Donc, et c'est sur ce lieu qu'on a pu obtenir de la part du pilote donc son nom et son prénom qui nous a bien prouvé sa présence sur les lieux. Quoi. C'était l'homme là. Ouais. D'accord. C'est lui. Si vous voulez lire en même temps. D'accord. Voilà. Et donc, Peter de Meuk est devenu un héros national parce qu'il a sauvé certainement des vies de villageois. Il s'est sacrifié quelque part pour sauver les vies de villageois en évitant que son avion tombe dans le village. D'accord. Et donc, comme tu peux constater, encore même plus de 20 ans après, on vient déposer, les enfants viennent déposer des objets et le fleurir parce que pour nous, voilà, il a sauvé des vies. Donc ici, tu as chopé son nom et son... Il nous a donné son prénom et son nom. Alors, dans l'enquête, ben, on a obtenu aussi des voix de femmes et d'autres voix. D'accord. Qui nous donnaient aussi le nom et son prénom. Mais il a été clair, il nous a donné son prénom et son nom, Peter de Meuk. D'accord. Voilà. Qui est mort, je le rappelle, le jour de son anniversaire. Ok. Bon, ben, ce soir, ce sera le premier lieu que je vais venir ici. Alors. Ouais. Bon, là, ici, c'est gentil. Ici. Oui, ici, c'est gentil, oui. Ben, Alexis, qui est dans mon équipe, qui a fait sa première enquête, mais sa première expérience paranormale. Donc, il est venu ici pour. On a fait un essai de nouveau matériel qu'on avait reçu. Bon, il a pris ça un peu à la rigolade jusqu'au moment où il s'est fait gifler. Il a commencé à courir. Et, d'accord. Oui, c'est. Voilà. Il s'est fait gifler juste dans le chemin, là. Oui, il était ici. Ah, il était chemin. Ici. Ma fille était là à la caméra. Elle me d'accord. filmait. Et donc, je n'obtenais pas de réponse. Au moment où il a pris ça à la rigolade, il a dit qu'ils sont peut-être partis dormir. Et. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, il a commencé à courir, on s'est demandé pourquoi. Et en fait, il a pris une baffe. Ouais, arrivé à la voiture, il m'a dit, genre, il y a quelque chose qui m'a donné une baffe, je ressens quelque chose, et voilà. D'accord. Et très après, c'est parti sonner. Alors, je filme un peu la région, parce que c'est quand même beau ici. Alors, donc, si tu as vu mon enquête, Fabrice, c'est la vallée. Donc, c'est une vallée qui contient 5 châteaux, en fait. Et l'enquête que tu vas mener aujourd'hui, donc, va se passer dans la crypte d'un des châteaux. Et donc, cette vallée avait pour but, tous ces petits châteaux avaient pour but de surveiller les allées et venues des mercenaires ou des armées pour protéger un château qui se trouve ici à 3-4 km, qui était le fameux château des princes-évêques de Liège. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette vallée a énormément de châteaux. Ce que je te propose, Fabrice, c'est de... On va continuer notre chemin. Ok. Je vais t'emmener dans une maison. Ouais. Une petite fermette comme ça, que moi, je n'ai jamais connue habiter. D'accord. Pour la simple raison que cette maison a vécu un drame donc au début du siècle, dans les environs de 1920. Ouais. Donc c'était une petite ferme qui était tenue par des gens qui travaillaient pour le château.
Et le fermier, on ne sait pas pour quelle raison, a massacré sa famille. Ouais. Et il s'est suicidé ici dans le champ. Alors d'une drôle de façon, il a mis une grosse pierre dans un sac à pommes de terre et il se l'est tapé de haut. Il a agonisé comme ça dans le champ, on l'a retrouvé le lendemain. C'est incroyable. Ah oui, c'est une drôle de façon de se donner la mort. Alors, pour quelle raison, on ne l'a jamais su. Moi, ce sont les ancêtres qui nous disaient, parce qu'on venait jouer dans la maison, ils nous disaient de ne pas y aller, que ça portait malheur et tout ça. D'accord. Il faut savoir que le bois qui se trouve ici sur notre côté, ouais. Donc c'est le bois du domaine, et que ce bois est réputé. Il a une histoire en fait. Hein. Il faut savoir qu'en 1485, ouais. Charles de Lamarck, prince-évêque, qui avait chassé le prince-évêque des Bourbons, qui était un prince-évêque français, hein, d'accord, des Bourbons, avait fait appel à Louis XI pour avoir des mercenaires, pour avoir de l'argent, pour monter une petite armée de mercenaires pour chasser Louis de Bourbon et prendre sa place. D'accord. Il a réussi, Louis XI donc, a financé son agression sur la ville de Liège pour chasser Louis de Bourbon, ouais. Et donc est devenu prince-évêque. Mais Charles le Téméraire, le sanglier des Ardennes, lui n'était pas d'accord avec ça parce que en fait Liège était une porte sur le Brabant et il fallait payer des deniers et tout ça pour avoir accès au Brabant. D'accord. Donc Charles le Téméraire est venu, il a chassé le de Lamarck comme prince-évêque, il a chassé et Guillaume de Lamarck est venu se réfugier ici dans la tour de garde du château de ce bois-ci. D'accord. Il a été fait prisonnier, il a été amené à Maastricht où il sera jugé et décapité. Par contre, sa petite armée qui se composait à peu près de 300 hommes ont été tous pendus dans ce bois. D'accord. Voilà. Ah ouais. Et d'ailleurs, l'endroit de la crypte, il y a une chapelle. La chapelle a été construite sur les ossements, sur la fosse commune où ils ont tous été après ensevelis. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bois qui porte malheur ou quoi? Moi, par mon expérience, dans mes enquêtes, nous avons obtenu des résultats où moi, je peux dire qu'il y a vraiment quelque chose de malsain, de maléfique dans le bois. Alors maintenant, est-ce que les gens de cette fermette ont été victimes de ces hantises? Je ne sais pas. Par contre, quand on a mené une enquête ici devant la barrière, parce que la barrière est fermée, c'est une propriété privée, donc on n'y a pas passé. Ici devant, on a eu des résultats, est-ce qu'on peut entendre... Il y a des gens qui habitent là? Alors, la maison a été refaite, mais je ne sais pas si elle est... Non, à l'époque on relouait apparemment. Voilà. Donc c'est ici qu'il a tué tout le monde alors. C'est. Il vivait ici, voilà. D'accord. Dans cette maison, donc il y a eu deux enfants et. Il habitait. Et là c'était quoi ça? Alors c'était la grange, certainement. Il y a c'était cette maison. Il y a combien de temps environ? Au début du siècle. Ah d'accord. Ouais. Moi, écoute, j'ai 50 ans, j'ai toujours venu ici avec mes soeurs et mes frères, j'avais déjà 3-4 ans, venu jouer ici dans le bois, parce que là, tu vas voir, il y a un arbre creux, et on venait jouer là, et j'ai toujours connu vie cette maison. D'accord. Et quand je suis venu pour faire mon enquête dans la maison, j'ai vu qu'elle avait été, qu'on y avait remis des fenêtres, des portes, donc je n'ai pas fait mon enquête là, parce que je respecte la propriété privée. Oui, moi aussi. Alors, voilà. Mais ici, on a mené notre enquête, donc on l'a mené ici devant la barrière. Alors je peux te dire que mon ressenti, c'est que on avait quelque chose qui venait de là, mais vraiment désagréable. Moi, j'avais jeté un petit coup d'œil. Ouais. Et j'ai enverré un petit mot, je leur écrirai merci. Ouais. Et alors, on a eu plusieurs enregistrements PVE et à la Spirit Box aussi, où on entend une voix qui dit que je suis coupable, et puis on entend une femme qui dit ne dis rien. D'accord, voilà. Très intéressant. Ouais. Alors,
J'ai mené beaucoup d'enquêtes, mais je peux te garantir que venir seul, je ne le ferai pas. Et je vais être le premier à venir seul ici. Ouais. Bon courage. Hein. Ça va bien se passer. On verra demain matin si je bois le café que je suis un peu trembleteux, un peu fou. Hein. Ouais. Tu feras venir une, la magnétiseuse. T'as mon numéro. Ouais, ouais, ouais. Tu fais appel à moi. Ok. On va continuer encore un morceau. Je vais te montrer le fameux arbre. Ce soir, il faut être très gentil avec moi. Vous pouvez vous manifester, mais il faut y aller mollo. Faut pas chier dans la colle, les gars. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Et le mec, il s'est mis des coups de patate dans la gueule ici. Ouais. C'est incroyable. Il s'en voulait ou quoi? Je trouve que c'est une drôle façon de manger. Bah oui, il y a tellement d'autres moyens. Je l'aurais pu prendre. Bah oui. C'est qu'ils s'en voulaient. Comme s'il était possédé en fait. Ben oui. Voilà, mais on ne le saura jamais. À cette époque-là, la police ne faisait pas d'enquête comme ils font maintenant. Ah oui, oui. Mais il y a cet arbre, Fabrice, que je vais te montrer, qui est bizarre. Ouais. Maintenant, je n'aurais jamais dit que cet arbre a été un des arbres qu'on aurait pendu quelqu'un. Mais tu vas trouver. Je vais te le montrer, tu vas trouver ça vraiment bizarre. Je te garantis que même petit, quand je venais, on avait toujours l'impression de ne jamais être seul. Je pense. D'accord. Tout seul ici ce soir, ça va être gai. Enfin voilà, tomber sur des fantômes, ça me dérange pas. Il faut pas que je tombe sur un grizzly ou... Des grizzlies, il n'y en a plus. Hein. Il y a, je vois des traces de pattes là. Ça va être très sympa, je crois. J'ai vraiment hâte de l'avoir, ce manqué. Ah oui, oui, ça va être... Bah, j'ai pris un caleçon de rechange. Ah. Ouais, ouais, j'ai tout prévu. Après un boxeur de rechange. Surtout parce que ça a l'air quand même assez glissant. Ouais, ouais, ouais. Tu peux voir, il y a de la roche. Ah, c'est pour ça que j'ai pris les Rangers. Hein. C'est bien pris. Ouais. Le seul truc que j'ai oublié, c'est une paire de chaussettes de rechange. C'est pas top. Des chaussettes? Ouais. Non, non, on doit en avoir, hein. Au pire, j'en prendrai une paire. Bon, de temps en temps, on entend des bruits, mais ça, c'est des animaux. Oui, oui, oui. Hein, je veux pas toute la chaussette maintenant. Il n'y a pas la bête du Gévaudan ici, comme en France. Non, non. C'est non, du moins. Oui, oui. Alors, de toute façon, Sylvain, pas... tu me vois pas à partir de 9h, tu sais que je suis dans le coin. Ah ouais, mais je vais arriver après toi. Hein. C'est parce que j'ai pas mes taux qui capteraient si loin, mais. Non, ça va. Ça va bien se passer. Ah, j'espère. Ça va bien se passer. Voilà. En fait, voilà, Fabrice, tu vois, c'est cet arbre aussi. Donc, il a l'air déjà assez vieux. Hein. Ah ouais. C'est celui-ci. Hein. Et... Ce qui est au milieu, ouais, ouais, celui-là, regarde. Voilà. Alors. Cet arbre-là, est-ce qu'il aurait été utilisé pour prendre quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Mais, nous, nous étions petits, on venait jouer ici. Parce que, bah, maintenant, je ne saurais plus. Hein. Ouais, ouais. Mais on savait passer à l'intérieur. En fait, l'arbre est totalement cru, tu vois. Ah, il est cru, cru, cru. Ah ouais, carrément. Donc, on rentrait par l'intérieur et on sortait par là-dessus. Ah oui, d'accord. Et si quelqu'un voulait se prendre à cet arbre aussi, ah bah oui. Suffisait, hein, il y avait une branche là, on voit un résidu, ben il suffisait de mettre la corde à son cou et puis de s'élancer dans le vide parce que comme tu vois, ah oui. Et on était pendu. Ah oui, il faisait le saut de l'ange. Ah ouais. Même là-haut, hein, une branche là-haut, c'est facile aussi. Ouais, aussi. C'est très bizarre.
cet arbre feu comme ça. Et je ne sais pas si toi tu ressens, quand tu rentres dans le bois, on n'a pas la même impression que quand on est ça. Ça prend un tu peu au bide. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Dès qu'on rentre dans le bois, enfin moi, dès que je passe le bois, je me sens vraiment comme envahi là. Ouais. C'est un, ouais, poids, c'est... un poids dans l'esprit. Ouais, c'est ça, hein, c'est dans le bide. Ouais. Bon, je sais pas si tu vas à la crypte à pied ou... Non, on va prendre la voiture. Là, ouais, c'est vraiment ce que je vais faire ce soir, c'est le parcours-là. Ouais. C'est d'accord. Bien, à partir de 22h, je pense. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. 22h, je vais faire 22h, 23h30, et puis après minuit jusqu'à 6h, 7h à la crypte. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vois grand, hein. Ouais, bah, t'as raison, ouais. De bah, toute façon, j'ai pas le choix, hein. C'est parce que j'ai ouvert ma grande gueule sur ma page. Ouais, ah bon? Oui. Ben, je pensais être deux à la base. Oui. Mais bon, ça va, je suis content quand même. C'est bien. Et quoi, il a eu peur de passer la nuit dans une pipe? Non, je sais pas, il m'a dit qu'il avait des soucis. Ah, ben, oh. Ça, quand on est en équipe, c'est toujours le souci, c'est qu'on dépend de l'un ou l'autre. Bah d'un côté tout seul t'auras plus de résultats. Ah oui, t'as toujours plus de résultats seul. Mais ce qui est bien quand on est à deux, c'est que. Ouais, on se protège un peu l'un des autres quoi. Il y a ça et surtout qu'un peut avoir le ressenti qu'un autre ne t'assure pas. Ouais ouais. Bah là le ressenti, j'en ai avoir tout le long, je crois. Parce que rien qu'en journée, c'est assez pesant. Oui. Mais la nuit, c'est le black hole total, il fait noir total. Ah ouais. Ah, tu ne vois pas un mètre. Ah ouais. On rentre à ma maison. Oh ben voilà, je vous dis à tout à l'heure devant la crypte. Donc voilà, on est dans la deuxième partie du domaine. Ouais. La partie dit la chapelle, la crypte. La crypte. Donc, ouais. Donc ici, ça c'est d'abord la chapelle. D'accord. Donc c'est sur ce lieu-ci qu'ont été enterrés les pendus, hein, et qu'ils ont construit la chapelle par-dessus. Voilà. 100 et des ans après, 150 ans après, ils ont construit la chapelle. Alors, est-ce qu'ils l'ont appelé, en fait, ça, la chapelle Saint-Guy, c'est pour les gens qui viennent prier ici, c'est les gens qui souffrent du Saint-Guy, quoi, hein, la tremblotte. Est-ce qu'ils l'ont dédié à l'honneur de Saint-Guy parce que les pendus, au dernier recours, ça remue un peu ou quoi, je ne sais pas. Ah ouais. Mais c'est connu ici, donc pour venir prier pour la danse de Saint-Guy. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'est arrivé exactement lors de ta dernière enquête sur ce lieu? Alors, ici dans le cimetière, j'avais laissé une caméra fixe, avec un laser, et on a pu entendre sur le toit que nous nous étions la crypte. On a pu autant marcher dans le cimetière alors que cet endroit, comme tu peux voir, est désert. D'accord. Il n'y a rien. Et à l'heure de 3h du matin, il n'y a qu'un se promener dans le cimetière. Donc, on l'aurait vu. Parce que la caméra était mise de façon que si quelqu'un pénétrait dans le cimetière, comme tu vas voir, il n'est pas grand, on l'aurait vu passer dans le champ de la caméra. D'accord. Alors qu'on entend marcher, mais on ne voit rien. Ok. Fermé. Elle est toujours fermée. Oui. Mais il y a la messe ici des fois. Hein. Oui, une fois par mois, il y a une messe. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est le tout petit cimetière, hein, où les gens du château se décédaient, reposaient. Ouais. Et ici, tu as le presbytère, l'ancien presbytère. Ah, derrière, là, juste... Voilà. Qui n'est plus habité. Mais... Juste là. Oui. Bien, on va... Je vais y aller voir. Oh, ça c'est dur ça. Ah, c'est là que tu avais mis la caméra fixe. Ouais, j'ai compris. Je me souviens. Fabrice, viens, tu peux. Ouais. Il y a accès dedans, tu crois? Comment? Oh, il y a accès dedans. Oh, ouais, sûrement. C'est l'ancien presbytère ici. Voilà, c'est ça. C'est abandonné. Ça va donner. Ouais, tous les panneaux ont été mis parce que certainement qu'il y avait des squatteurs. Ouais, comme je vois que l'herbe a été coupée. C'est entretenu. Ouais. Donc ça se peut qu'il soit squatté. Hein. Je vais jeter un coup d'œil là-haut. Voilà. Donc tu auras qu'à descendre l'escalier.
Ouais. Ouais, oui. Et alors? Donc, hop, il a fermé la porte. Donc en fait, oui. Tu avais mis une caméra fixe ici, je me souviens. Non, la caméra, elle était exactement à cet endroit. Parce que je me souviens de la petite tombe là. Ça, ça... Oui, mais ça, c'est avec une GoPro certainement. Hein, ah, peut-être. Il y a deux accès. Il y a l'accès par là et l'accès par là au cimetière. Donc je me suis dit que si quelqu'un rentre dans le cimetière, ouais, en mettant ma caméra ici, je l'avais mis ici. Ouais. Voilà, mettons comme ça, qui que ce soit qui passait dans le cimetière devait passer devant ma caméra. Parce que comme tu peux le voir, il y a un mur, ah, les oui, taux oui, sont contre le mur. Oui, oui, ça si passe là, voilà, automatiquement. Si quelqu'un marchait, il était obligé de passer soit par ici, donc dans l'axe, de, dans l'angle de ma caméra, par là, on l'aurait vu rentrer, ou par là, voilà. Tu vois, elle était mise de façon que... Quiconque qui était dans le cimetière devait être filmé. D'accord. Et alors on entend marcher mais on ne voit personne. Alors que tu vois... Ah merde, je suis en train de marcher sur une tombe. Alors que tu vois qu'il y a des pierrailles. Il y a des pierrailles. Et on entend bien les pierrailles remuer quand on entend ses pas. Hein? Oui, oui, oui. Alors on a eu aussi un enregistrement PVE. Au moment que les enquêteurs étaient en train de me filmer, on entend un esprit qui nous dit « Je suis esprit, je suis esprit ». D'accord. Et il faut bien se dire que ces enregistrements-là, la voix dans le cimetière, on l'a entendu qu'aux analyses. Hein. Oui, si oui, on l'aurait entendu au moment même, on aurait essayé de rentrer en conversation. Par contre, avec la spirit box, ici, en dessous des deux arcs des parodies que je vais te montrer, ouais, là on a obtenu, donc, avec la spirit box, une voix qui nous disait qu'elle se trouvait au coin, c'était une dame. Au coin, donc ça pouvait être que au coin de ce mur-ci. On se trouvait ici, et c'est d'ici qu'on nous jetait des pierres. Alors, on t'achetait des pierres ici? Voilà, on a mené trois enquêtes ici, et trois fois on nous jetait des pierres venant du cimetière. Trois fois? Trois fois. Trois enquêtes et trois fois on nous a jeté des pierres venant du cimetière. Parce que comme tu peux voir la configuration du terrain, ouais, c'est une maison aussi qui est où une vieille dame, une dame âgée habite, qui est toute seule. Et c'est un chemin de terre. On ne pouvait pas à 3h du matin, nous, la vieille dame on ne s'imagine pas nous jeter des pierres à 3h du matin. Tout à fait. Et les pierres venaient de ce direction-là. Donc elle sort du lit, qu'elle met son dentier, lire. Et voilà, et nous on se trouvait ici, c'est ici où on prenait notre pause. Quoi. C'est, oui, c'est oui, comme ça que ça a commencé. Prenait notre pause cigarette. Là, comme... Des grosses pierres ou des petites Des pierres. On ne sait pas, parce que comme à terre, il y a plein de pierres. Donc, on c'est pas des glands qui tombaient d'un arbre ou quoi, non, c'est, non. C'est vraiment des pierres. Non, non déjà des... ici, c'est un. C'est un chêne. C'est un chêne. Ouais. Ah, puis. Là, t'as rien qui. Et je rappelle que la première enquête, ça devait se passer en juin, donc il n'y avait pas au cours oui, oui, des châtaignes ou quoi. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ouais, non, c'est vraiment. Ok, bon, on va voir ce soir. Hein. Si je reçois une pierre en pleine face. Ah, ben j'espère que non, parce que comme tu es tout seul. Bah oui. Voilà. Et aussi, donc c'est un de ces arbres aussi qu'un ami à moi, Max, il s'appelait Max, s'est ouais, pendu. Mais du quel arbre, je ne sais pas. Ici, c'est, il s'est pendu ici. Oui, c'est pendu à ces arbres. À ces arbres. Il y a beaucoup de pendus ici, hein. Oh, il y en a tous les 3-4 ans. Je ne sais pas pourquoi il vient de se pendre ici. Ah, alors oui, que quand. Enfin, à l'époque, moi je ne savais pas, mais quand j'ai fait des recherches après sur les lieux et que j'ai vu qu'en 1485, on y avait pendu une garnison entière dans le bois, ben. C'est là que c'est ça qui a attiré mon attention, que je me raconte dans le domaine. Quoi. Ah bah oui. Et comme tu peux constater, Fabrice, donc, il y a un ruisseau qui coule tout autour du château. Et tu sais que l'eau, là où il y a de l'eau, il y a beaucoup de phénomènes. Hein. Oui, oui, tout à fait, ça c'est de l'énergie. Quoi. Et cette eau qui coule le long du ruisseau, c'est été comme hiver, c'est ça coule. D'accord.
Alors, si on arrive à la crypte, où est-ce que je vais passer une grosse partie de la nuit tout seul? Alors, ce que tu veux dire, ce qui t'est arrivé exactement ici à la crypte? Alors, ce qui est arrivé à la crypte, donc on a eu la première enquête avec Alexis, il s'est fait jeter du mur. Ouais. Et tu dois savoir que, avant que je vienne y mener une enquête, on venait avec les jeunes et on s'assied là avant. D'accord. On se posait. Et plusieurs jeunes, déjà à l'époque, s'étaient fait pousser du mur. Oui, oui. Et quand je suis venu, je ne l'avais pas dit à Alexis, ça pour pas lui foutre les chocottes. Et quand on est venu ici à sa première enquête, il s'était assis sur le petit mur de la crypte et il s'est fait éjecter du mur aussi. On l'a poussé en fait. Non. C'était quel mur? Là, je te montre. Ah putain, c'est la crypte là. Ouais. Ah, c'est là que t'as fait la petite vidéo là. Là, je l'ai fait exactement ici. Ouais, ouais, ouais. En bas des marches, parce que depuis que j'ai fait mes enquêtes, je te cache pas que c'était plus tranquille. Venir ici, je ne suis plus très chaud. Là, tu te sens comment là, à cette heure-ci? Ici, voilà, je suis devant, je sors déjà la pression, mais pour toi, je vais remonter là-haut. Non, c'est gentil. Au pire, si tu ne sens pas de rentrer, rentre pas, hein. Je vais juste jeter un coup d'œil. Oui, non, rentrer, je le ferai pas. Je le ferai plus. J'y ai fait une fois, jamais pour moi, parce que je l'ai payé en émotion après. Ouais. Donc déjà, on arrive, c'est déjà un peu côté solennel, comme ça. Voilà. Donc. Oh, comme il fait flipper celui-là. Il a pas l'air content déjà, rien qui me regarde bizarre. Hein. Je suis un copain. Il est en souffrance. En fait. Ouais, ouais. Bah, oh. La douleur de la famille, quoi, hein. La souffrance. T'as venir tout seul ici, tu vas être beau. Venir tout seul là, ici. Faire rentrer à ma maison. Alors voilà, en fait, Alexis était assis là, ouais. Sur ce mur-ci. Et il s'est fait éjecter. Moi, je me trouvais là. Et donc il a paniqué, on a... Il s'est fait éjecter en arrière ou... Non, on l'a poussé. Ah ouais, comme donc, si quelqu'un venait de l'arbre en fait. Là, il était assis ici, il filmait, puis il s'est levé d'un coup, il m'a dit, Jean m'a poussé, et moi j'ai dit, ah ouais, comme ça, sans trop y croire. Et quand je lui ai vu tellement paniqué après, il a voulu arrêter l'enquête, et donc il était paniqué. D'accord. Et en fait, dans la troisième partie de l'enquête, les potes ou ce qui réagissent, c'est là. Donc ils étaient ici les potes. Et toutes les réactions qu'on a eues, ça a toujours été de ce côté ici que ça venait. D'accord. Jamais de ce côté-là, on ne sait pas pourquoi. Ok. Bon, là, allez, je vais jeter un coup d'œil. Alors, je vais mettre ma main devant parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer, il y a une photo. Bon bah voilà. Ça tourne encore. Ouais, ça tourne encore. Ben voilà Fabrice, ton ressenti. Ah c'est... C'est pression là. Tu comprends pourquoi que moi je qui descends. Enfin je n'y descendrai plus quoi. Ouais. Et ça va aller pour passer la nuit. T'as vu dans quoi que tu vas passer la nuit. Ouais. Bon courage. Bah je fais ça, tes gazis peuvent être fiers de toi. Hein. De rentrer à ma maison. Bienvenue à Liège. Un truc de ouf, hein. Ah, et voilà, en pleine journée, ici sur le lieu même, qu'est-ce que tu ressens? Bah, que lui, il me fait un peu flipper, celui-là. Ah, il fait ça. Ah, il a pas l'air content. Je suis là en ami, hein. Je vais pas faire de mal à tes potes. Juste... À mon avis, c'est plus va plus devoir redouter, c'est plus le garde. Les gardes du bois. Ce clip, on dirait qu'elle est protégée par quelque chose qui se trouve dans le bois. Et tu le verras quand même. Ça craint les gardes fantômes, tu parles?
Oui, il y a des hantises, je ne vais pas dire une, mais des hantises dans le bois. Et que quand tu trouves, là où ce que tu trouves, tu ressens, tu entends aussi des pas, tu entends marcher autour de la crypte sans voir personne. Et tu ressens vraiment la présence de quelque chose. Et ça interagit, si tu mets des pods ou quoi, ça va interagir, tu verras. Mais on dirait qu'ils ne peuvent pas aller jusque sur la dalle, ils viennent jusque au mur. Est-ce que c'est pour ça qu'ils poussent les gens des villes? Eh, une séance de Spirit Box à côté des cercueils, ce serait pas une première ça? Oui. Toi, oui. Ça va être chaud là. Du moment que t'aider, je sais que tu le feras, c'est de respecter les lieux quand même. Ah oui, oui, non, mais je vais pas, tu vois, je vais rester à l'extérieur. Je vais pas rentrer à côté des... Mais je resterai quand même à la porte. Je resterai, tu vois, je vais descendre dedans, devant les cercueils, mais je vais pas aller toucher les cercueils, non, ça ouais. Je ferai pas ça. Je vais juste rentrer en contact avec avec lui qui est pas content. T'es pas content et pourtant je suis gentil. Hein. Bon, alors on va résumer un peu la chose. Je vais passer une nuit à un endroit où est-ce qu'un pilote s'est tué. Après je vais aller dans un bois où est-ce qu'il y a eu plus de 300 morts, 300 pendus. C'est ça? C'est ça, oh. En 1480. Après je vais aller dans une baraque où est-ce qu'un mec il a tué toute sa famille, puis il a été dans le champ d'accolé. Remplir des sacs de patates pour se fracasser la tête jusqu'à mort sans suivre. C'est ça? C'est ça. Après, je vais passer la nuit dans un cimetière qui est juste à côté d'une chapelle avec tous les tombes. Où est-ce que toi tu reçois des cailloux? C'est ça. Et où est-ce que tous les pendus, les 300 pendus, ont été mis dans une fosse commune. Hein. D'accord. La chapelle a été ok. Et après, bah, je vais passer le reste de la nuit à côté de petits cercueils dans un qui est tout frais. Tu en as plusieurs, mais t'aimes bien le tout frais, toi. Bah, ouais. et tout ça, messieurs, mesdames, tout ça sur le même domaine. Toutes ces catastrophes sur le même domaine qui est à moins d'un kilomètre carré. Je vais chier dans mon froc. Heureusement que j'ai pris un boxeur dans le champ. Bon, ben. Bah, ça craint du boudin quand même, là. Et tu dis qu'il y a des entités alors qu'ils tournent ici pour garder le domaine. Moi je dis que c'est le bois qui est hanté. Le bois il est hanté complètement. Parce que. Et tu verras que les esprits, les hantises qui seront dans le bois où ce que le lieutenant a été tué, ouais. Avec son avion, ce seront les mêmes qui ils vont te suivre. Hein. D'accord. Ah ouais. Tu ressentiras toi-même. Je savais que c'était les mêmes parce que le ressenti était égal. Et tout ça tout seul. Tout ça tout seul, bon courage Fabrice. Je dis, nous on est venus, on a fait 3 enquêtes ici à 3. Et j'ai dû le faire avec 3 équipes différentes parce que les autres enquêteurs ne voulaient plus venir ici. Ils ont eu un mauvais ressenti de cette enquête. Ils avaient tous le triomètre et me l'a communiqué automatiquement. D'accord. Ah bah je vais l'avoir le triomètre. Hein. Ouais. Ça va être la pire mais une des meilleures tracks que je vais faire, je crois. Salut mes gaziers, bon bah c'est parti, là je vais directement aller au bois du lieutenant, plus à la maison du gars qui a tué toute sa famille et qui s'est mis des coups de pierre dans la gueule pour se suicider. Tant dire que j'ai commencé à avoir la pression, donc là je suis équipé de plusieurs matériels, j'ai la GoPro Spooltrum, j'ai une deuxième caméra, j'ai tout ce qui est thermomètre, enregistreur numérique vocal, j'aurai 2 pods à mon actif, plus le 4-2 et un détecteur EMF, donc j'essaie de rentrer en contact avec eux. J'espère que ça va bien se passer. A tout de suite. Donc là, on arrive à l'endroit où est-ce que notre lieutenant s'est tué en 89, il me semble. C'est ici que une équipe, que l'équipe SIB, un de leurs membres, c'est ici que un gars de l'équipe SIB a pris une gifle, juste à l'endroit où je suis. Donc voilà. Pour l'instant, le chien n'a aucune réaction. Je sens quand même une apesanteur assez lourde ici. On va voir.
voir ce qui va se passer. Hein. Ah, putain de moustique, ça rentre dans le nez. Ah. Ah, j'ai prévu aussi la guitare pour jouer un petit air sympathique à notre ami lieutenant. En espérant que ça se passe bien. On va voir ce sera la surprise. Putain, ça fait flipper. Il y a quelqu'un ici avec nous? Vous êtes là, mon lieutenant? Vous pouvez me parler, hein? Hein, 89. C'est vous, mon lieutenant? Peter? T'es là, Peter? C'est quand même assez glauque comme endroit. Sachant que pas loin d'ici, il y a une baraque où est-ce qu'un mec il a tué toute sa famille, puis si c'est d'un coup de caillou, c'est pas top quand même, quoi. Est-ce que t'es là, Peter, avec moi? Bon, je vais installer le matériel, on se dit à tout de suite. Je vais installer deux pods. A tout de suite. Bon, mon gamin, s'il y a quelque chose, tu me préviens. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quelque chose, bandit? Je sais pas pourquoi, mais il a l'air bizarre. T'as vu quelque chose? Il a l'air tout bizarre. C'est vous, mon lieutenant, vous êtes là? J'ai un ancien militaire aussi. T'es pas du même pays? J'étais militaire aussi également. J'étais dans l'armée de terre. Plus précisément dans les chasseurs alpins. Vous étiez dans l'armée de l'air, c'est ça? Vous étiez pilote? Vous avez du charisme, mon lieutenant. On va aller installer le pod. Un ici, et je vais installer le pod américain de Jean. Ah, je vais l'installer là. Ah, on a une baisse de température. On va le mettre dans le chemin. Vous voyez, il s'allume. On a une grosse perte de température. C'est vous, mon lieutenant, qui êtes là? On a une grosse perte de température, là. Vous êtes par ici, mon lieutenant? Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous.
J'ai mon porte-bonheur. C'est mon porte-bonheur, mon lieutenant. Faut pas avoir peur. Essayez de vous approcher des appareils qui sont juste là. Pour les déclencher. Vous voulez que je me mette dans le noir complet? Putain! Il s'est déclenché! Il y a le pote qui se déclenche! Il y a le pote qui se déclenche juste là. C'est vous, mon lieutenant? C'est bien, mon lieutenant, continuez! Salut, mes gaziers, j'ai le pote qui se déclenche! Regardez, j'ai le pote qui se déclenche juste là! Oh putain! C'est vous, mon lieutenant? C'est vous, Peter? Oh, c'est un truc de malade! Mon lieutenant? Vous voulez que je m'approche? Putain, je vois comme une ombre. Voilà, je m'approche, mon lieutenant. C'est vous, mon lieutenant? Ça s'est arrêté. Vous êtes là, mon lieutenant? Oui, si c'est vous, allumez le pod. Éteignez-le. Rallumez-le. C'est incroyable. Merci, mon lieutenant. C'est toi, Peter? Je suis content de communiquer avec toi, Peter. C'est un truc de malade. Merci, mon lieutenant. Entre soldats, on se comprend. Je suis fier de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Enclenchez-le, s'il vous plaît. Il s'est arrêté. Il bouge plus. Oh, c'est un truc de malade. Je vous dis, ce qui est arrivé là, c'est un truc de fou, putain. J'ai amené le deuxième pod à côté. Vous pouvez aussi communiquer avec celui-là. Je sais que vous êtes par là, mon lieutenant. Vous êtes parti? Putain. Vous êtes où, mon lieutenant? De fou. On se rejoint tout à l'heure. Maintenant, approchez-vous des lumières qu'il y avait là. Je suis avec vous là. C'est bien, mon lieutenant. C'est bien. Là, j'ai l'indicateur de température qui fait signe qui s'abaisse. Approchez-vous des lumières encore, mon lieutenant. Je suis dans le noir complet, approchez-vous des lumières. C'est incroyable.
Bon, lieutenant, je suis fier de vous. Je vais faire une communication à la Spirit Box avec vous. J'ai cru entendre un bruit juste là. Bon, le temps, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mon lieutenant? Vous êtes présent? Est-ce que vous êtes content de ma présence? Est-ce que vous êtes là présent avec moi? N'ayez pas peur, dites-le-moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Au-dessus? Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Putain! Vous êtes là, mon lieutenant? Quel est ton prénom? Ça va, mon gros? Vous gagnez. Déclenchez le pod, mon lieutenant. Déclenchez le pod, mon lieutenant. Approchez-vous de la lumière bleue. Thank you. Merci. Approchez-vous plus près. Encore? C'est bien, mon lieutenant. Encore? C'est bien, mon lieutenant. Approchez-vous encore. Encore, mon lieutenant. Putain! C'est un truc de fou. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom? Ah merde. J'ai une panne. Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom, s'il vous plaît?
agression. Approchez-vous de la lumière bleue, du matériel qui est là, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez faire ça? Je me suis senti pas bien pendant un moment là, c'est un truc de ouf. Il y a un truc à sonner. C'est vous, mon lieutenant ? Putain, je me sens pas bien du tout, là. Si c'est vous, mon lieutenant, que je risque rien, allumez la lumière. L'appareil qui est devant, s'il vous plaît. Je vais vous jouer un petit bout de guitare. C'est pour vous, soyez en paix, mon lieutenant. C'est vous qui allumez la lumière, mon lieutenant ? À chaque fois, j'ai le matériel qui se déclenche, se déclenche juste là. C'est un truc de ouf. Ça va être pour vous, mon lieutenant. Putain, ça se déclenche. Il y a tout qui se déclenche. C'est vous, mon lieutenant ? C'est bien, mon lieutenant ? Waouh, c'est un truc de dingue. Arrêtez la lumière si c'est vous! J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai le cœur qui bat la chamade. C'est vous, mon lieutenant, hein? Putain. Vous entendez ? On dirait qu'il est juste là, qu'il bouge pas, qu'il est devant moi, quoi. Bon, maintenant ? Faire la spirit box. Profitez tant que ça bouge, faire la spirit box.
Vous êtes là, mon lieutenant? C'est vous qui allumez la lumière en face? Putain! Ça perd l'hypopète! Arrêtez la lumière! Arrêtez la lumière, s'il vous plaît! Pourquoi vous voulez pas arrêter? Vous voulez pas? Allez-y! Il veut pas s'arrêter. Pourquoi vous bougez pas devant moi là? Je suis pétrifié. Je suis putain de pétrifié là. C'est vous maintenant? Arrêtez la lumière! Putain, j'ai entendu du bruit là! Moi, je suis pas bien, putain, c'est un truc de ouf cet endroit là! C'est que le début! Et c'est qu'un putain de début! Bon, je pense que là. Bon, maintenant, je vais vous laisser ici! Je vous remercie d'avoir communiqué avec moi! Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'enregistreur PVE numérique tourner ici. Je vais laisser un appareil ici tourner, mon lieutenant. Et il suffira juste de parler dedans. Si vous voulez communiquer avec moi, je réécouterai tout ça à la maison. J'ai entendu un bruit, là. Ça perd l'hypopète. Putain, faut redescendre. Wouah. C'est vous qui êtes là? Je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Mais c'est qu'un début. Connerie de faire ça tout seul. Heureusement que j'ai mon chien, parce que... C'est vraiment des lieux incroyables. Et... Bon, ben, il va falloir que j'aille l'arrêter. Ouais, je vais l'arrêter. Tu regardes mon chien. Il est où, bandit? Fais-le arrêter. Il est où, François? Il est où, François? Hein? Il est où, François? Bah, bois, bordel. T'es tout bizarre. Bah, tu viens avec moi, ma parole, je te jure, je vais pas ramasser le pote pendant qu'il clignote. Allez, viens. C'est moi, mon lieutenant, je m'approche, on va arrêter l'appareil. On a une baisse de température. On a une putain de baisse de température. Vous êtes juste à mon emplacement, mon lieutenant. C'est vous? Alors, je vais charger toute la nuit. Putain, j'ai plus de batterie là-dedans aussi. Pourquoi j'ai plus de batterie? Je l'avais rechargé là. Putain, l'appareil de merde. Je l'ai rechargé toute la journée hier. Chier. On a l'indicateur de baisse de température qui s'est actionné. Vous êtes ici avec moi. Essayez d'interagir avec moi. Essayez d'interagir. Putain, la lumière qui se met à clignoter.
Je suis pas tranquille là. Putain, je suis pas tranquille du tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, là, ça me saoule. Allez, on se casse. On va aller voir le pote. On va aller voir le mec qui a tué sa famille. Laisse la guitare là. Je vais laisser l'enregistreur numérique vocal ici. Liège, le bois du lieutenant, enregistreur numérique numéro 2. Bon lieutenant, je vous laisse un appareil, vous pourrez parler dedans. On passera le chercher au retour. Je vais laisser ma gratte là, on verra bien si elle est tombée. À mon retour. J'ai l'impression qu'on l'a tiré dans mon sac. Hey, mais c'est quoi ces impressions qu'il y a ici là? T'es pas content et pourtant je suis gentil. Hein. Alors là on se dirige directement maintenant à l'endroit même où est-ce qu'un homme a tué toute sa famille puis s'est suicidé à coups de cailloux dans un sac de patates. Donc pour vous dire. Putain, j'ai l'impression que je suis suivi, c'est un truc de dingue. Alors là, donc j'ai laissé l'enregistreur numérique tourner à la place. Du bois du lieutenant, on verra si on aura eu des réponses. Mais ouf. Putain que ça fait flipper sa grand-mère. Bah c'est moi, j'arrive vers vous là. Faut pas déconner quand même hein. Grosse pression. Voilà. Oh putain. Voilà. Putain, c'est quoi ce délire? J'ai l'impression comme s'il m'avait poussé sous le côté de l'épaule. Eh mais c'est moi ou je deviens dingue, putain. Eh c'est un truc de fou quoi. Ah. Les capuches. Ça me protège des toiles d'araignée et des trucs. Incroyable. Là, je suis avec Bandit. Comment tu te sens, mon chien? Hein? Ça va, mon gros, mais tu étais trop bizarre, toi, ici. D'habitude, tu réagis un peu plus. Alors, je sais pas combien de marches que j'ai à faire ici, mais on a vraiment l'impression que c'est vraiment un truc... si on vous suit, une oppression... comme si j'avais des gens autour de moi, en fait. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Comme s'il y avait des gens vraiment autour de moi. Déjà, je viens d'entendre marcher derrière moi. Ah putain. C'est un truc de fou. On continue. J'attends à prendre une bonne douche demain matin. Ah putain, je crois qu'on arrive à la baraque. Je la vois pas, mais je sens une oppression forte. C'est comme si on vous remplissait les boyaux. Des émotions fortes, quoi. Les émotions qu'on peut ressentir, c'est comme vous inquiétez, par exemple, t'as ton homme ou ta gonzesse, tu vois, qui te plaque, ou que tu sais pas où est-ce qu'elle est, que tu l'attends le soir, et tu te dis, putain, elle est en train de se faire troncher, tu sais, t'as une douleur au niveau du ventre. Bah, c'est exactement le même bordel. Et putain, j'ai pas tort parce qu'on est juste devant la baraque. Et chaud patate. Je peux vous dire qu'il y a du froid là. Et je peux dire qu'il fait froid d'un coup. Je suis complètement gelé. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai chaud en même temps. Allez comprendre. Donc là, je vais faire une petite pause cigarette. Et je vous dis à tout de suite.
Apparemment, le mec il serait suicidé juste dans le champ ici, quoi. Putain. Oh, j'ai entendu marcher là. T'as entendu, gros? Un bandit? T'as entendu, mon bandit? Ça marche? Putain, ça marche. J'ai quand même fumé une clope. J'ai gardé la GoPro allumée au cas où. Oh putain. Ah, c'est bon, j'ai cru que j'avais oublié mes clopes. Et j'ai toujours mon porte-bonheur dans la main. Très important. Garde les lumières allumées parce que je suis vraiment pas tranquille. T'as senti quelque chose, Bandit? Reste là, couché. Couché, gros. Faut que je rebranche la GoPro. Je sais même pas l'heure qu'il est. Couché. Putain. Je commence à avoir un mal de tête énorme, énorme, énorme. Salut les gars. Je suis là pour parler avec vous. Faut être très gentil avec moi, hein. Parce que je suis pas méchant. Je sais que cette terre, elle a beaucoup d'histoire. Je suis là amicalement. Hein. Je m'appelle Fabrice. Je suis là pour communiquer avec vous. Viens, mon gros. Ah, c'est fermé à clé. Et je vois de la lumière au niveau... Il y a une caméra, je peux pas rentrer. Je vais pas niquer. Je vais pas niquer mon enquête pour une caméra. Donc on va faire la Spirit Boss, qui est la séance ici. De toute façon, c'est une propriété privée. Il y a une caméra juste là. Donc je vais pas prendre le risque. Parce que je tiens vraiment à aller à la crypte. Et passer un moment avec mes amis. Dans la crypte.
Putain, j'ai cru voir quelque chose là. Comme un pantalon bleu. Juste en face. C'est vous qui étiez là en face de moi? T'as marché juste là, putain. J'ai entendu marcher. Couché. C'était pas le chien, je précise. Couché. Couche. Viens là. Allez, couche. Couché. Voilà. Le chien est couché. On va réécouter. C'est moi qui fais la fumée, hein, je précise. Ce qui fait froid d'un coup. En fait, c'est des carreaux. Je vais faire une petite séance boxe ici. Putain, j'entends marcher derrière moi, putain, c'est un truc de ouf. Ok, où il est là? Il est 2h du matin, c'est bon. Il faudrait que pour 3h je sois la crypte. Je vais quand même sortir le K2. Non, si je peux l'installer là. Vous êtes là avec moi? Quel est votre nom? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes là, les copains? Putain, j'aime pas trop le son. Quand la spirit box elle prend le son là, c'est que c'est vraiment pas bon. Vous êtes là avec moi? N'hésitez pas. Il fait un froid de canard. Vous êtes où? Putain, je suis pas tranquille. Viens, mon dieu. Viens au pied. Vous êtes là, sur le chemin?
On va aller vers le bois. Quel est votre nom ? Moi, c'est Fabrice. Est-ce que vous savez que vous êtes parti ? Ah, je suis pas bien. Putain que je suis pas bien. Oui, on y va quand même. Vous êtes là ? Quel est votre nom ? Moi c'est Fabrice, tu peux répéter mon prénom ? Putain, j'ai vu un truc blanc défiler là. Non, il faut pas rigoler. C'est pas marrant. Faut pas rigoler, hein. Est-ce que vous êtes content de ma présence ? Putain, on m'a touché là. Ah ! Même pas peur. Contrôle. Ouais, contrôle, ouais, je sais, ouais. C'est la fête du slip. Putain de pas bien. A-I, A-O, on rentre du boulot. Putain. Ah ! Ça va, Bambi ? Non, non, c'est bon. C'est quoi, je suis... C'est bon, moi j'arrête. J'arrête ici, là, c'est bon. Je suis entouré de tous les côtés, et ça, je le sens, et je suis pas tranquille. C'est pas cool, hein.
C'est pas gentil. Je suis pas content. C'est pas pour être des amis, non? Putain, que c'est hanté ici, c'est un truc de ouf. Je suis pas tranquille, putain. Allez. Bon, allez, maintenant on va attaquer le plus dur. On va essayer cette putain de crypte. Les poches, il y a deux. J'ai tout dans les poches. Et c'est même pas la peine. Grosse pression. C'est un truc de ouf. La fameuse baraque. Bon allez, c'est parti. On va aller récupérer l'enregistreur numérique vocal. Je peux vous dire, c'est une putain d'impression quand on tourne autour de vous. Les réponses box, j'ai hâte d'analyser ça. Ça fait plusieurs fois qu'on me pousse, qu'on me tire dans le sac à dos. Le pote qui se déclenche. Le chien qui a un comportement bizarre. Je peux vous dire aussi les bruits de pas qu'on entend de tous les côtés. C'est un truc de ouf. Alors je respire fort, c'est normal, ça monte à crever. Et je suis chargé comme un soldat. On va pas passer le. On va pas passer. La guitare est toujours là, l'enregistreur aussi. Pas d'enregistrement, PVE Bois du Lieutenant numéro 2, Liège. Merci mon lieutenant d'avoir communiqué avec nous. J'en reviendrai vous voir. J'ai le cœur qui bat, je suis pas bien. Je suis essoufflé. Je suis oppressé. Je suis très 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 oppressé. Merci mon lieutenant. Caporal Chef Berlemont qui vous parlait.
l'impression qu'on est derrière moi. Là, sortir un peu les chiens, faire une pause. Et puis on va aller au cimetière et à la crypte. Ah, je te jure, il y a quelque chose. Allez, viens là. Putain, ça me suit, hein. Sur la tête de ma mère que ça me suit. Allez, faites pas chier. S'il vous plaît. Ah, restez là-haut. Putain, je suis pas bien. Je suis essoufflé. Il y a des bruits de partout. Allez, restez là-haut. Je suis en train de perdre mon froc en plus. Je vais me faire enculer par un fantôme, ça me fait bizarre. Putain. Ah, j'ai vu quelque chose. Allez, on se casse. Allez, on se casse, putain. M'en fous, je me retourne même pas. Restez là-haut, j'ai dit. Ah, je suis pas bien. Putain, la guitare, là, je joue tout seul. Putain, la guitare, là, je joue tout seul. Mais c'est quoi ce délire ici? C'est un truc de ouf. Allez, je vais vous lâcher un peu, les gros. Eh ben, on va courir un peu. Allez, bon, il monte. Allez, monte. Allez, petite pause. Quelle incroyable expérience. Vraiment, c'est quelque chose de... d'incroyable. Entre les résultats que j'ai eu au niveau de la boxe, entre les choses que j'ai cru voir comme cette ombre foncer sur moi juste au dernier moment, les réactions du pod, les réactions de la boxe, les mauvaises impressions, les oppressions d'angoisse, la guitare qui joue toute seule, la réaction du chien qui est vraiment confuse, ça c'est sûr, j'étais pas tout seul. Et je... Hop 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 hop, là ne quittez pas, c'est pas fini, ouais c'est moi qui te parle là. Le Fabrice de 2020. Donc là, ce qui va se passer, c'est la suite. Malheureusement, c'est une vidéo qui a totalement disparu. Mais j'ai réussi à vous récupérer quand même quelques meilleurs moments de cette investigation. Lorsque j'étais retourné à la crypte et j'ai fait une enquête aussi au cimetière. Je vous laisse ces passages, ces extraits. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. Ciao, ciao. Hasta la vista. Putain. Oh, que c'est... On va faire deux mamères. Oh, sa grand-mère, putain. Il a déclenché, putain, il a déclenché. Putain, c'est un truc de dingue. Encore.
Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Ta grand-mère, putain, elle a déclenché. Putain, c'est vous qui êtes là? C'est bien, arrêtez-le, allumez-le, allumez-le encore. C'est un truc de dingue. Encore? C'est... Encore? Je suis en train de vivre une expérience de dingue. Heureusement que dans ce bas monde, il existe... de la plus douceur. Du bien. Crut, me voici. C'est interdit de me suivre. Faut avoir une autorisation. Je vais le dire à ma mère. La tête qui déconne. Comment ça marche pas? Est-ce que c'est vous qui tirez dans le sac à dos comme ça? Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
suis en vie! Qui sommes-nous? Une bande de potes. Notre but? Se rendre dans des lieux où l'activité paranormale est au plus haut. Tu vois, c'est quand je vois ce genre d'investigation paranormale que j'ai pu faire à l'époque qui me redonne envie d'aller encore plus loin. Tu vois, la deuxième partie, malheureusement, en petite coupure. Faut dire que cette vidéo, je l'avais postée là à l'époque. Avec certains des bunkers, elle avait fait scandale. Parce qu'effectivement, à un moment, on pouvait voir le nom de la personne. Donc, faut bien vous dire que la crypte était ouverte, accessible à tout le monde, au milieu d'un bois. Donc, on n'a pas forcé. Et libre d'accès et ouverte, n'est pas cadenassée. Donc, on y a été dans le plus grand respect. On a refermé la porte. On a tout remis à sa place. Et on est parti. Donc, comme je vous le disais, la deuxième partie avait fait un peu polémique à l'époque. Donc j'avais supprimé cette vidéo. Malheureusement, je n'avais pas sauvegardé. Donc c'est pour ça qu'elle est disparue. Alors ça se peut qu'un jour, je la retrouve dans mes archives. On ne sait jamais. Si des fois, il y en a un parmi vous qui a eu le bonheur de prendre la vidéo Crypt partie 2 sur YouTube, voilà, ce serait super sympa de me le dire et que je la récupère de façon à vous la refaire partager. Mais bon, les moments que vous avez pu voir, voilà, c'était les meilleurs moments. C'était une histoire de dingue quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faut savoir que pour moi, c'est une des meilleures que j'ai pu faire en solo. C'est dommage à l'époque que j'avais pas tout le matériel là, les caméras perfectionnées, les caméras infrarouges un peu plus puissants, les stabilisateurs, les micro-enregistreurs. J'avais pas aussi, on va dire, les connaissances du paranormal que je peux avoir maintenant. C'est peut-être pour ça aussi que la magie était là aussi dans cette vidéo, car j'étais novice. Je pense que j'en flipperai encore, c'est obligé. L'endroit est tellement pesant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le même approche qu'au début. J'étais dans la découverte. Donc, qui dit découverte, qui dit inconscience. Il y a peut-être eu des petites erreurs. Voilà, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà, je prendrai pas mal du tout. Mais les résultats étaient bel et bien là. J'étais pas tout seul et ça, c'est sûr et certain. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir passé cette soirée à mes côtés. Je vous embrasse tous. Et comme vous le savez bien, ma gazouille, je te laisse de la caméra. Mais pas du cœur.